C'est toujours le Gulive et c'est sur Gulli. Lily, qu'est-ce que t'as fait des Gullivers? Anaïs, tu sais, aujourd'hui c'est moi qui ai la manette magique, alors je peux faire tout ce que je veux, hein. Donc ils sont derrière vous. Trop fort. Mais là, c'est le moment de chanter, là. Ouais, donc t'appuies sur ta manette et tu remets tout en place, s'il te plaît, là, parce que... Allez, il faut vraiment qu'on trouve quelque chose pour lui enlever la manette. Hein. Moi, juste le temps d'élaborer un plan, ouvrez grand vos yeux et vos oreilles. Il vient en exclusivité sur notre plateau nous présenter son tout nouveau titre, Still Waiting For You. Un triomphe pour... Lady Kim. The nights were young, so were we. Making out in the backseat of my car, high on love. Swear we would never break up, but you moved on. I'm still stuck in the same place we grew up. And I'm still waiting for you. Here I am with my thoughts at a favorite coffee shop that we used to go to, 'cause it reminds me of you. Now I know you couldn't stay, now you're the one who got away. Stuck in the same place we grew up, and I am still waiting for you. Mais oui, mais c'est trop fort. Mais c'est génial. Mais c'est dingue, cette musique, elle te prend, tu vois, elle te retourne la tête, tout ça. Mais comme je parle pas anglais, je sais pas ce que ça veut dire. Ça parle de quoi? Ben, en fait, la chanson, c'est une chanson, c'est une peine d'amour, en fait. C'est que la fille qui est, avec qui je sortais, elle a brisé avec moi. Et puis, moi, je suis encore en amour avec elle. Et puis, en fait, c'est genre, I'm still waiting for you, je t'attends encore et tout, voilà. Lenny, on retrouve ce titre sur ta tournée? Exactement. C'est ce soir. C'est ce soir, exactement. C'est ce soir, on est sous bois. C'est ce soir, on est sous bois. Ça va être un carton, ouais, ça va être très, très bien. Écoute, j'ai beaucoup trop hâte de performer pour tout le monde. Et puis, ça fait longtemps qu'on prépare la tournée, alors... Bah ça commence enfin, hein, ça va être trop cool. Ça va être grand. Yes. Je précise que le 16 c'est à Voiron, le 28 c'est à Amiens et après c'est dans toute la France. Dans toute la France. Jusqu'à fin juin. Exactement, on repasse aussi le 16 décembre au Casino de Paris, au Casino de Paris. Et puis on a plein de surprises à vous réserver encore sur la tournée. Très bien. Alors écoutez, moi aussi ça me fait plaisir d'être là. Et puis vu qu'aujourd'hui j'ai le total contrôle sur l'émission, Joanne, j'ai toujours rêvé de te voir en blond. Alors je suis vraiment désolé, mais... J'ai la même couleur que toi maintenant. Non, moi c'est plus beau. Bon, très bien. Bon, écoute, de toute façon, c'est toi qui as le contrôle. Hein, c'est comme exact. Ça. Arrête, ça suffit. Eh bien, écoute, nous avons préparé une interview avec Anaïs. Oui. Et cette interview, tu vas pouvoir aller la découvrir dans le frigo. Ah oui, attendez, moi je connais déjà le principe de l'émission. Hein? Alors, je sais que quand je vais ouvrir la porte, il y a un gros monstre méchant qui va m'attendre. Non, mais pas du tout. Alors, ce que je vais faire, je vais peser sur mon bouton pour le transformer en licorne. Vous êtes prêts? C'est trop bien! Il a transformé le monstre en licorne! Merci beaucoup! Alors, qu'est-ce que c'est? Interview dans de la victoire. Ok! Ok, il y a tout dans le titre en fait. On va te poser des questions et à chaque fois qu'on te pose une question, t'es tellement content que tu fais la danse de la victoire. Et après, tu réponds. Ok, nickel. T'es prêt, t'es chaud? Je suis prêt, je suis chaud. Quelle est ta chanson préférée de l'album? Oui. Danse de la victoire, ok. Allez, allez. Alors ça c'est ma première danse de la victoire affreuse, mais bon, c'en est une. Non, et bien. Alors, je dirais que ma chanson préférée sur l'album, c'est par rapport au processus de création, ce serait vraiment Mylene. J'ai kiffé faire Mylene, c'était génial. Par rapport à l'histoire, en même temps, c'était la dernière chanson qu'on a faite sur l'album. Et puis c'était comme le l'aboutissement. L'aboutissement, voilà. Merci. Tu peux nous la chanter juste parce que... Ok. Mylene, Mylene, you're too in love. Mylene, Mylene, but that doesn't count much.
T'as un petit Michael Jackson, c'est mais pas non, possible. Non, mais c'est mieux que ça, c'est Justin Timberlake. Mais c'est le mélange. Tu vois pas, oui, c'est le mélange. C'est le mélange. Alors, deuxième question. On voit que tu accordes beaucoup d'importance à la danse dans tes clips. C'est Danse avec les stars qui a été déclencheur ou alors est-ce que tu as toujours été passionné par la danse? Alors, premièrement, Danse de la victoire. Bam, bim, boum, bam, bim, boum, bam, bim. Alors, si Danse avec les stars, c'était déclencheur pour moi, la danse dans mes clips et tout. Non. Disons que j'avais déjà fait de la danse avant dans mes clips, avant de participer à Danse avec les stars, dans Don't Stop, YOLO. Mais tu donnes dans tes clips et merci tu beaucoup. Donnes sur scène non, et ça se sent, quoi. C'est pas du tout le même genre de danse en plus, quoi. La danse de salon, la danse... Enfin, moi, je dis bravo. Allez, attends, sur la troisième question. Bah tiens, Danse de la victoire avant la question. Tiens, ah bah allez. Allez, variante, attention, tu es déjà content avant la question. Pack back, attention, machin 3, là. 3, 2, 1, top. Ah, tu veux. Ah ouais, ouais, clac, clac, clac. Boom, floss. Ah ouais, j'y arrive pas. Boom, floss, boom, floss, boom, floss, boom, floss. Je ne comprends pas cette danse. Mais personne n'a jamais compris. J'y arrive pas. Quel est ton Pokémon préféré? Pokémon préféré? Oui. Ah, moi, je dirais que c'est Flamiaou. Bah oui, moi aussi, j'adore les mignons. Ah, moi je trouve qu'il est hyper fort et puis ouais mais toi c'est quoi ton Pokémon préféré au fait? Alors moi mon Pokémon préféré c'est quoi? Non. Attends, il faut que tu me fasses une danse avant pour en blanc. Une danse à victoire en blanc. Ah, je me prends pour l'énigme les amis aujourd'hui. Allez attention c'est parti. Alors je t'ai pas ou pas? Bravo. Alors moi mon Pokémon préféré c'est Mouscoto. Alors toi c'est qui Mouscoto? C'est Mouscoto, c'est non. Comme ça. Moi je connais par exemple. Merci. Et c'est un Pokémon qui est ultra chimère. D'ailleurs je vais vous le faire découvrir dans l'épisode qui arrive. Et la mission de Sacha sera de le capturer. Alors Pokémon, c'est... Maintenant !